héritiers et aux bâtisseurs de France. Aimez votre pays, aimez la France de toujours, protégez-la, défendez-la et soyez au rendez-vous pour bâtir la France de demain. Avant notre grand rendez-vous du 9 juin. Et pour autant, vous me permettrez de monter à cette tribune avec le cœur lourd. J'ai sur le cœur une histoire qui m'émeut profondément et qui me donne aussi une force inébranlable. Vous savez, cette force que donnent les colères sourdes, cette force de la compassion instinctive, viscérale, la force de la soif de justice. Je pense en cet instant à Joël Davier, le père de Lola. Lola. Lola, cette petite fille de 12 ans à peine, dont la vie a été volée en même temps que l'innocence. Lola, retrouvée dans une malle, torturée et assassinée par une Algérienne sous OQTF. Une clandestine qui n'aurait jamais dû se trouver sur le sol français si pour une fois seulement, ce gouvernement avait fait son travail. Bien, il y a quelques jours, Joël Davier est mort de chagrin. Il est parti rejoindre sa petite fille chérie au ciel. Et je tiens à dire, après cette tragédie, et au nom de vous tous, pour Lola, pour son papa, pour toutes les autres victimes, nous n'abandonnerons jamais, jamais! Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, à cause de cette folle politique d'immigration, il y a des enfants qui sont assassinés? Il y a des parents qui meurent de chagrin. Il y a des adolescents qui sont lynchés parce qu'ils sont blancs. Il y a des grands-mères de 80, 90 ans qui sont violées dans notre pays par des clandestins. Et si nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est parce que dans cette salle, il n'y a pas un seul cœur indifférent aux larmes de Joël Davier, à la souffrance des parents de Thomas, à la dignité de Claire, au courage de Véronique Monguillon, de Catherine Bargue, d'Evelyne Reber, toutes femmes et mères de victimes. Et je leur dis merci. Merci de s'être adjoint à moi dans une tribune le jour de la fête des femmes, dans un cri du cœur, « Touche pas à ma fille !» à l'occasion précisément de cette journée pour dénoncer
dénoncer aujourd'hui les ravages de l'islamisation et de l'immigration sur nos femmes et sur nos filles. Mesdames, je vous le promets, nous continuerons encore et encore, inlassablement, jusqu'à la victoire. Parce que nos consciences nous l'ordonnent, parce que nos tripes nous l'imposent, parce que nos cœurs nous le dictent. Il y a 12 ans, je m'engageais et je devenais la plus jeune députée de la nation. À l'époque, je le faisais par devoir. Aujourd'hui, je le fais aussi par amour. Par amour pour mes filles Olympe et Clotilde. Par amour pour toutes les petites Olympe et Clotilde de France. Par amour pour tous les petits-enfants de ce pays, d'aujourd'hui et de demain. Comme vous, chaque matin, je me lève pour qu'ils puissent recevoir un pays à aimer, un pays fort de ses repères, où l'autorité, le mérite, le respect, le travail, le patriotisme les élèvent. Chaque jour, je me bats avec Éric Zemmour pour qu'ils ne deviennent pas les orphelins d'un pays vide, sans âme, sans grandeur, sans héros. Et surtout, sans idéal. C'est la tâche qui nous unit avec notre président Éric Zemmour, que je remercie pour sa confiance. C'est aussi cette mission qui anime mes infatigables compagnons de combat. Je pense bien sûr à Guillaume Pelletier, le directeur de la stratégie, qui donne sans compter dans cette campagne. Je pense aussi à notre eurodéputé Nicolas Bay, qui apporte toute son expérience dans cette élection. Je pense à Philippe Bardon, à Philippe Schletter, à Thibault, si précieux, Agnès, Sarah, Stéphane, Sazistas, toutes ces équipes qui font un travail remarquable. Et vous tous ici présents, infatigables militants, merci du fond du cœur. Est-ce que vous mesurez la responsabilité qui est la nôtre ? La responsabilité qui est la vôtre. Tous ici, nous avons le devoir d'apporter une espérance aux Français, une espérance politique. Mais je vous préviens, et je sais que vous le savez, ce ne sera pas sans combat. Ce ne sera pas sans un immense effort. Alors, finalement, que voulons-nous ? Nous voulons simplement retrouver le chemin de la fierté disparue. Nous voulons simplement pouvoir être fiers d'être Français. Eh bien, justement, nous en avons fait un slogan, notre slogan de campagne, la France fière pour vous. C'est notre programme, c'est notre cri de ralliement, c'est notre étendard, c'est notre espérance. La fierté n'est-elle pas le carburant de l'honneur et du panache ? La fierté n'est-elle pas le pilier de la dignité et de l'indépendance. Parce que nous sommes fiers d'être Français et Européens, nous n'acceptons pas d'être menacés ni intimidés par personne. Alors je veux prendre une minute pour répondre aux provocations du président turc Erdogan, qui tente régulièrement de nous humilier en menaçant de conquérir l'Occident. Lui qui, au lendemain des ignobles attaques du 7 octobre en Israël, a osé nous lancer « Occident, voulez-vous reprendre le combat entre la croix et le croissant ?» Alors, je lui dis, en votre nom, attention, monsieur Erdogan, nous aussi, nous avons notre fierté, nous aussi, nous savons d'où nous venons et où nous allons, nous savons que nous avons 1500 ans d'histoire à défendre. Alors, monsieur Erdogan, cessez vos intimidations et rappelez-vous de nos victoires à Poitiers, à Lépante, à Vienne. L'Europe est encore vivante et elle ne sera jamais ni conquise,
ni soumise. Nous sommes fiers d'être français. Après le 9 juin prochain au Parlement européen, vous pourrez compter sur tous vos élus Reconquête pour ne jamais baisser les yeux. Oui, nous ne baisserons jamais les yeux devant la racaille, devant le politiquement correct, devant l'insupportable racisme anti-blanc. Oui, nous ne baisserons jamais les yeux devant ceux qui insultent la France et qui réclament sans cesse tout d'elle. Au nom d'une dette imaginaire sans jamais rien vouloir lui donner. Oui, nous ne baisserons pas les yeux devant les wokistes qui crachent sur notre histoire, qui insultent nos ancêtres, qui déboulonnent nos statues. Ils ont déjà, et ils s'en sont déjà pris, à nos statues de Voltaire, de Maë de La Bourdonnais, de Napoléon, de la Vierge Marie. Mais jusqu'où iront-ils si nous ne sommes pas là pour les arrêter? Non, nous ne baisserons pas les yeux devant les activistes LGBT qui viennent jusque dans nos écoles expliquer à nos enfants qu'ils peuvent changer de sexe, qui organisent des lectures de drag queen auprès de nos petits, dans nos bibliothèques, et qui ont l'audace de vouloir nous transformer, nous les femmes, en objets de marchandises, en nous poussant à louer nos utérus et à vendre nos enfants. Et non seulement nous ne baisserons pas les yeux, mais nous ne les fermerons pas non plus, contrairement à beaucoup d'autres d'ailleurs, devant le conflit de civilisation en cours sur notre sol. Je veux que chacun d'entre vous en ait conscience, bien conscience. Il y a désormais deux peuples sur notre terre. Deux France face à face. Deux France qui se font face. Deux France qui ne rient plus aux mêmes joies, qui ne pleurent plus aux mêmes peines, qui ne communient plus dans un idéal commun. Je sais que la plupart des journalistes présents considèrent que j'exagère. Alors, je vais m'en remettre aux chiffres. Vertigineux, ces chiffres. Imparables, ces chiffres. Ce sont ceux de l'IFOP, sortis il y a quelques semaines seulement. Eh bien, je pose une question toute simple. Croyez-vous que la cohabitation va bien se passer quand ces sondages révèlent qu'aujourd'hui, une majorité de musulmans en France considèrent la laïcité, valeur cardinale de notre République, comme discriminatoire? Pensez-vous que la cohabitation va bien se passer alors qu'une majorité d'entre eux souhaitent pouvoir dispenser les petites filles de piscine au prétexte de dispenses religieuses? Pensez-vous que tout ça va bien se passer alors qu'une majorité plaide pour l'autorisation du port du voile à l'école et même, c'est le cas pour une majorité de jeunes musulmans, pour l'autorisation de la burqa? Mais ce n'est pas tout. Et je crois que ce qui m'a le plus terrifiée dans ces chiffres, c'est de découvrir qu'aujourd'hui un tiers des lycéens musulmans en France ne condamnent pas totalement l'assassinat de Dominique Bernard. Alors, il va falloir m'expliquer quelque chose. Comment est-il possible de ne pas condamner totalement l'assassinat d'un professeur innocent qui s'est dressé entre son école et un djihadiste au prix de sa vie ? Comment est-ce possible? Ce n'est pas un conflit de civilisation, ça? Ce ne sont pas deux visions de la vie, du monde, de l'homme, qui sont en train de se manifester sous nos yeux de façon irréconciliable? Oui, il y a aujourd'hui, même si c'est dur à dire, même si c'est dur à voir, même si c'est dur à accepter, même si c'est dur à affronter, il y a aujourd'hui une civilisation islamique, portés par des courants de plus en plus radicaux, salafistes, frères musulmans, qui prospèrent en France, qui prospèrent en Europe.
et qui entre. Et qui entre en confrontation avec notre civilisation française, européenne et chrétienne. Et cette confrontation, vous l'avez tous les jours sous les yeux. Elle se manifeste quotidiennement, école par école, quartier par quartier, ville par ville, et même village par village, par l'explosion des incivilités, de la violence gratuite, de la volonté d'humilier le français, le couffard, le gouer. Eh bien, le couteau. Chez nous. Et le couteau est devenu le symbole de cette confrontation, lui qui est maintenant dégainé si facilement pour un regard, pour une cigarette refusée, pour un coup de klaxon, pour un baiser jugé impudique dans la rue. Alors regardons les choses en face. Et nous vous le disons chaque jour, depuis que Reconquête a été créée, c'est le grand défi historique, c'est le grand défi vital que nous allons devoir relever. Alors, le 9 juin prochain, vous aurez une seule question à vous poser. Voulez-vous d'une Europe islamisée ou voulez-vous encore d'une Europe européenne? Je n'ai pas entendu. Oui. Écoutez bien les mots du chef des frères musulmans, Youssef Al-Qaradawi, quand il était le président du Conseil européen pour la fatwa. Je cite. Rome reste à conquérir. Et nous espérons et croyons qu'elle sera conquise. L'islam retournera en Europe en conquérant et en vainqueur. Après en avoir été expulsé deux fois, une fois en Andalousie, au sud, l'autre fois à l'est, avec la volonté d'Allah, l'islam retournera en Europe et les Européens se convertiront à l'islam. Jamais ! Écouterons-nous enfin tous ces courageux mais trop rares experts qui nous mettent en garde contre l'islamisation de la France et de l'Europe. Comme cet ancien agent de la DGSE, Pierre Martinet, qui affirme que le projet des frères musulmans est de conquérir définitivement l'Europe. Pas dans 200 ans, pas dans 300 ans, d'ici 50 à 70 ans. Nous le verrons, nos enfants le verront. Et comment? En trois temps. D'abord, par l'immigration massive, et donc par le nombre et par la pression démographique. Et nous y sommes déjà. Un tiers des naissances en France sont d'origine extra-européenne, contre 3% il y a 70 ans. Puis ensuite, par la pression des revendications communautaires, j'y reviendrai plus tard. Enfin, par une propagande médiatique et politique insupportable, qui vise à culpabiliser le peuple historique par les sempiternelles accusations de racisme et d'islamophobie qui sont censées agir sur nous comme un virus paralysant. De nombreuses puissances étrangères et organisations islamistes profitent justement de cette immigration anarchique en Europe pour mener des entreprises de déstabilisation, pour subvertir notre jeunesse, pour organiser l'équivalent d'une cinquième colonne dans nos pays et recruter, bien sûr, des soldats djihadistes porteurs de mort. Si nous continuons dans cette voie, je vous le dis, disons-le partout autour de nous, c'est bien simple. Il y a seulement deux issues qui s'offrent à nous, la soumission ou la conversion. Je ne veux ni de la soumission, ni de la conversion. C'est parce que vous refusez cette fatalité. Nous sommes là pour porter la voix de la résistance et de la reconquête en France et en Europe. Alors je vous l'annonce solennellement aujourd'hui.
J'ai décidé de lancer dès la semaine prochaine et jusqu'au 9 juin, en France, comme partout en Europe, pour la première fois, l'opération du grand dévoilement. Je dévoilerai, preuve à l'appui, l'avancée fulgurante et les conséquences de l'islamisation sur notre continent. Ce que les autres partis n'osent pas aborder, ce que les médias font exprès de vous cacher, et que pourtant tous les peuples européens voient avec leurs yeux du bon sens. Oui, nous allons montrer, démontrer, dénoncer, dévoiler tous les moments, tous les lieux où notre civilisation cède le pas et où une autre civilisation la remplace. Nous devons montrer, autant que faire se peut à nos concitoyens, le refus des femmes de se faire soigner par un homme dans un hôpital, ses horaires séparés dans les piscines publiques, la multiplication des prières de rue, les revendications communautaires dans nos écoles avec les repas halal, dans nos clubs sportifs avec les demandes de rupture du jeûne en plein match, les joueuses en hijab et les prières dans les vestiaires. Oui, nous devons montrer aujourd'hui que près d'un million de femmes portent le voile islamique en France, que c'est 55% de plus qu'il y a 10 ans, que 80 000, écoutez bien ces chiffres, 80 000 lycéens musulmans sont aujourd'hui radicalisés selon une enquête du Figaro, que près de 200 000 femmes sont aujourd'hui contraintes au mariage forcé, pas au Maroc, pas en Algérie, pas en Tunisie, en France. Forcés au mariage en France. Que 60 000 femmes sont victimes de mutilations et d'excisions. Que 1000 nouveaux commerces halal sont ouverts en France l'année dernière. Que notre pays compte aujourd'hui 2500 mosquées contre seulement 2 il y a 2 siècles. Alors, voulez-vous vivre à l'heure de la charia islamique? La charia... Manifestement non. La charia financière, la charia vestimentaire, la charia alimentaire. Alors, vous croyez que ça n'arrivera jamais. Mais la charia, en réalité, régente déjà de nombreux territoires de France. Et combien de Français, y compris d'origine immigrée d'ailleurs, par pression communautaire, par peur de la violence ou du rejet, se plient malgré eux aux règles de la charia islamique? Où est l'État pour protéger la liberté de choix dans ces territoires? Quand récemment, un proviseur dans une école parisienne est menacé de mort simplement pour avoir demandé à une élève de retirer son voile, c'est la charia islamique qui s'applique. Quand un jeune garçon non musulman de 13 ans il y a quelques années à Lyon a été lynché simplement pour avoir mangé une sucette et refusé de faire le jeûne en plein ramadan, c'est la charia islamique qui s'applique. Quand une serveuse à Nice est giflée pour avoir simplement servi de l'alcool durant le ramadan, quand, toujours pendant le ramadan, on aboutit à ce qu'une marque comme Evian finisse par s'excuser d'avoir proposé de boire de l'eau. Mais bien entendu, vous m'avez bien entendu, s'excuse pour avoir proposé de boire de l'eau, ça aussi, c'est la charia islamique qui s'applique. Mais le pire, c'est que la blague ne s'arrête pas là. Parce qu'encore récemment, le maire de Lyon, Grégory Doucet, alors lui, il a fait encore mieux que ça. Il a carrément mis en pause les travaux dans le quartier de la Guillotière pour ne pas déranger les boucheries halal et laisser place au grand, je cite, « marché du ramadan ». Alors, je vous rassure, il a moins de scrupules quand il s'agit de la religion catholique parce que lui, il a carrément rompu la tradition séculaire du vœu des échevins qui était une procession catholique au nom de la laïcité. Alors, ça m'amuse parce que
Fut un temps, concernant les écolos, mon grand-père parlait des pastèques. Il disait qu'ils étaient verts à l'extérieur et rouge coco à l'intérieur. Merci pour lui. J'ai une nouvelle proposition à vous faire. Je propose qu'on passe des pastèques au kiwi. Vert écolo à l'extérieur, vert islamique à l'intérieur. Alors que la France nous entende depuis cette salle, que les médias nous entendent depuis cette salle, je le dis, nous le disons avec force et gravité. La France est une république laïque de tradition chrétienne. Tous nos compatriotes pas croire, pratiquer leur religion ou ne pas en avoir, mais nous refusons catégoriquement qu'une autre culture que la nôtre s'impose sur la terre de nos pères. Nous devons donc refuser toutes les manifestations de la charia islamique dans tout l'espace public. C'est à l'islam de s'adapter à la France et non pas à la France de s'adapter à l'islam. Chez nous, vous avez raison, répétez-le, qu'ils en soient sûrs. Chez nous, d'où qu'on vienne, les retardataires, chez nous, d'où qu'on vienne, et quelle que soit sa religion, on se doit de vivre comme des Français. Ceux qui veulent vivre à la saoudienne sont libres d'aller en Arabie Saoudite. C'est le défi. C'est le défi de notre siècle. Que l'Europe reste fidèle à la magnifique définition de Paul Valéry. Une terre qui a été successivement romanisée, christianisée, et soumise aux disciplines et à l'esprit des Grecs. Hélas ! Hélas, hélas, hélas ! L'Europe de Bruxelles et de van der Leyen a tourné le dos à cette définition et s'est trois fois reniée. L'Europe de Bruxelles a d'abord trahi l'esprit des Grecs en malmenant la démocratie, en outrepassant sans cesse le cadre des traités, en méprisant le principe du subsidiarité, en sanctionnant même des gouvernements élus démocratiquement pour leur opposition à l'agenda progressiste. Oui, cette Union européenne a trahi Athènes. Bruxelles a aussi trahi l'héritage romain avec son refus de protéger le limes, la frontière, par la folie des élargissements sans fin, et par ses coupables ambiguïtés avec la Turquie. Oui, cette Union européenne a trahi Rome. Bruxelles, enfin, a trahi son héritage chrétien. Et c'est malheureusement un président français, Jacques Chirac, qui s'est opposé à l'inscription des racines chrétiennes dans la Constitution européenne. C'est tout de même absolument fascinant de voir à quel point Bruxelles est envahissante sur des sujets absolument minimes, est totalement absente, voire nocive, sur des sujets importants et sur les grandes questions. Cette Union européenne, elle est partout. Elle est sur nos plaques minéralogiques, elle est sur le fronton de nos bâtiments publics, elle dicte la courbure de nos bananes, le débit de nos pommeaux de douche, la circonférence des pizzas napolitaines, la hauteur des tables de restaurant, tout ça est véridique. Mais elle n'est jamais là quand on a besoin d'elle sur les vrais problèmes de fond. Elle a trahi ses belles promesses en ignorant deux impératifs qui auraient dû être les siens, l'identité et la puissance.
2014 et 2021, la Commission européenne a versé plus d'1 million d'euros à l'université islamique de Gaza, dont l'inspirateur n'est autre que le tchèque Yassine, le fondateur même du Hamas. Savez-vous que l'Union européenne finance des organisations islamistes ? 40 millions d'euros versés à l'association Islamique Relief, qui entretient des liens avec les frères musulmans. Et vous n'avez pas fini de huer parce que la Commission finance aussi des clips de promotion pour le voile islamique. Avec des slogans tels que, tenez-vous bien, la joie est dans le hijab. Alors avec Van der Leyen, ce n'est pas le bonheur est dans le pré, c'est la joie est dans le hijab. Tout de même. Quelle indécence au moment même où des millions de femmes dans le monde sont rejetées, maltraitées, emprisonnées, voire tuées pour refuser de porter ce voile islamique, qu'elles vivent comme un instrument de soumission. La joie est dans le hijab, qu'ils aillent donc expliquer ça aux iraniennes. J'ai énormément de choses à vous dire sur l'Union européenne et j'ai dû choisir, mais j'ai tout de même envie de vous parler de Madame Dalli. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette commissaire européenne à l'égalité. Alors elle écrit des manuels de bien vivre inclusif et dans lequel elle recommande à l'administration européenne de ne plus utiliser le mot vacances de Noël pour ne pas choquer. C'est dit tel quel, hein. C'est dit tel quel, pour ne pas choquer la susceptibilité des minorités. Parce que vous savez, Noël, c'est bien connu, c'est un gros mot, Noël. C'est une insulte, Noël. Et au même moment, Bruxelles fait avancer son agenda progressiste vers la légalisation de la GPA. Il est pourtant bien là. Il est pourtant bien là, le nouvel esclavage, eux qui dénoncent le soi-disant néocolonialisme européen. Celui qui pousse des femmes à louer leur ventre et à vendre leur bébé. Heureusement qu'il y a des gouvernements courageux qui résistent. Et je veux remercier l'Italie de Giorgia Meloni. Je veux remercier Nicola Procaccini qui la représente aujourd'hui. Eux qui se battent depuis des mois, y compris contre le gouvernement français et contre le gouvernement allemand, pour lutter contre l'immigration clandestine, pour défendre la famille. Alors je vous dis, tenez bon, on arrive! Ursula est le plus fier. C'est son fameux pacte vert. On en a beaucoup entendu parler ces dernières semaines. Le pacte du fanatisme écologique. Le pacte qui organise tout simplement, sciemment, en toute connaissance de cause, la décroissance économique du continent, la baisse de la production agricole et notre appauvrissement général. C'est l'assassinat par asphyxie à coups de contraintes, de normes, de règlements, de culpabilisation. Et tout ça pour quoi faire ? Tout ça pour quoi faire ? Pour faire payer la France, qui ne représente que 1% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, et l'Europe que 9%, alors que tous les jours, la Chine ouvre des centrales à charbon à tour de bras. Et là encore, il faut le dire, il faut le rappeler, le PPE, le parti européen dans lequel siègent les Républicains, a soutenu 32 des 34 dispositions de ce pacte, selon l'aveu même de leur président de groupe. Et si nos agriculteurs ont été courageusement dans la rue, sur leurs heures de travail pendant des semaines, c'est parce qu'ils sont les premières victimes de ce pacte. Et je le dis haut et fort et je veux qu'ils nous entendent, je veux qu'ils vous entendent. Oui, la cause des agriculteurs est la nôtre. Pays ! Pays,
paysage. Voilà le triptyque d'une âme française qui nous est chère. La France des bosseurs, la France des terroirs, la France des racines. J'ai dit d'une âme française. Mais j'aurais même pu dire d'une âme gauloise. La ruche, le mouton, la charrue sont des mots qui subsistent dans notre langue et qui nous viennent directement de la langue gauloise. Oui, nous tous français, nous sommes des descendants de paysans. Et en votre nom à tous, je veux dire à tous ces irréductibles gaulois, tenez bon, le 9 juin, nous arrivons pour vous défendre. Ces mots profonds, certains pensent que la solution résiderait dans une sortie pure et simple de l'Union européenne. Je voudrais ici m'adresser aux Français tentés par le Frexit avec amitié, car je comprends votre colère, et à vrai dire, je la partage. Mais je vous le dis fraternellement, je vous le dis de patriote à patriote. Ce n'est pas au moment où la droite forte, populaire, souverainiste, conservatrice progresse partout en Europe, où nos amis et nos alliés conquièrent le pouvoir dans de si nombreux pays qu'il faut déserter. Parce que nous sommes face à un moment historique. Pour la première fois de l'histoire, nous avons l'opportunité de prendre le pouvoir au Parlement européen. Pour la première fois, nous avons l'occasion de conquérir la majorité du Parlement européen et de renverser von der Leyen. Moi aussi, j'ai hâte. Mais je vous le dis franchement, sur le sujet de moi, je n'ai ni dogme ni tabou. Si un jour, j'avais la conviction que la voie européenne était sans issue, que les intérêts de la France seraient mieux défendus dehors que dedans, que les avantages d'un Frexit seraient plus nombreux que les handicaps, alors évidemment, absolument, je serais du côté des intérêts français. Mais néanmoins, à l'heure où je vous parle, être du côté des intérêts français, c'est prendre toute notre place dans la grande bataille politique, idéologique, anthropologique même, qui se joue aujourd'hui au Parlement européen. Les nations d'Europe nous attendent. La France doit répondre à l'appel. Je voudrais aussi prendre un moment pour m'adresser aux électeurs du Rassemblement national. Chacun connaît notre lien. C'est un lien politique et affectif du fait de mon histoire. C'est aussi, disons-le, un lien intime, puisque je sais qui je suis et d'où je viens. Puisque nous entrons maintenant dans la vraie campagne, puisque bientôt viendront les débats. Marine, Jordan, je veux vous dire que nous ne sommes pas des ennemis. Si nous sommes bien sûr des concurrents, mais nous sommes aussi, d'une façon certaine, complémentaires. Chacun connaît nos différences, et même parfois nos divergences politiques. Et ces différences et ces divergences, elles existent, elles sont réelles, on ne s'en cache pas, et elles expliquent d'ailleurs que nous ne soyons pas aujourd'hui dans le même parti. Mais je ne veux pas pour autant oublier ce qui nous rassemble, et surtout ce qui demain devra nous rassembler. Car je n'ai pas varié, je n'ai pas changé d'avis. Je défendais l'union des droites au sein du Front National lorsque j'étais députée, et c'était justement d'ailleurs l'un de nos points de désaccord. J'ai rejoint Éric Zemmour pour défendre l'union des droites. Et je continuerai encore toujours de défendre l'union des droites. Car je suis convaincue, parce que je suis persuadée que c'est le seul chemin pour porter nos idées au pouvoir, une coalition des forces qui refuse le déclassement, l'effacement, le remplacement.
Alors, Jordan, si tu nous entends, tu as eu la lucidité lors de tes vœux de dire une chose. Tu as dit que ton groupe européen, Identité et démocratie, devra travailler demain au Parlement européen avec l'ECR, le groupe des conservateurs européens, qui est le groupe de reconquête, et ce, en vue de former des majorités. Eh bien, merci pour ta lucidité, mais ce chemin que nous trouverons pour travailler ensemble au Parlement européen, j'en suis convaincue. Je veux que demain, nous le trouvions aussi en France. Enfin, je voudrais dire une chose à tous ceux, et je sais qu'ils sont nombreux, qui hésitent encore entre un vote pour la liste du RN et celle de Reconquête. Vous savez que le RN aura des eurodéputés et que Jordan Bardella est certain d'être élu. Posez-vous donc simplement cette question. Pensez-vous que la France, son identité, sa liberté, seront mieux défendues s'il y a uniquement Jordan Bardella au Parlement européen ou si Reconquête est aussi présent pour vous défendre? Dites-le autour de vous, expliquez-le. Nous sommes dans une élection à un tour. Si vous allez voter, vous aurez des élus reconquête, c'est certain. 1% égale un député européen. Alors le seul vote utile le 9 juin, c'est le vote pour ses convictions. Avec 18 verres d'eau vides depuis tout à l'heure. Alors les convictions, justement, parlons-en. Je crois qu'il n'est pas inutile de vous dire qu'il ne faut pas compter sur les LR pour vous défendre. Parce que LR, c'est très simple finalement. C'est 50% de macronistes qui ne s'assument pas et 50% de zémouristes qui ne s'assument pas. Et à la fin, 50% plus 50%, ça donne 100% de promesses trahies. Alors, LR, c'est François-Xavier Bellamy, tête de liste, mais ça se termine par von der Leyen, candidate officielle de leur parti européen, le PPE. Je vous le dis très sincèrement, je respecte personnellement François-Xavier Bellamy. Mais il doit quand même être dit que comme tête de liste, il ne représente que lui-même. Il est isolé idéologiquement dans son mouvement. Il est isolé dans son groupe au Parlement européen. Il est isolé dans sa propre délégation dont la plupart des élus ne votent même pas comme lui. Alors je vous le dis très franchement, je ne comprends pas son choix. Pourquoi, quand il pense ce qu'il pense, avoir soutenu jusqu'à la dernière minute Valérie Pécresse à l'élection présidentielle? Pourquoi vouloir continuer, coûte que coûte, au prix de la cohérence, à vouloir sauver un parti qui est devenu le banc de touche d'un gouvernement qui ne marque plus aucun but, en plus? Alors arrêtons la farce, c'est bon, arrêtons de faire semblant, tout le monde sait, tout le monde a compris qu'au lendemain du 9 juin et d'ici 2027, la trois quarts de l'état-major DLR rejoindra la Macronie ou ce qui prendra sa suite. Alors, je le dis aux électeurs de droite, les convictions, c'est chez nous que vous les trouverez. La cohérence, c'est chez nous que vous la trouverez. L'avenir de la droite, c'est chez nous que vous la vivrez. Ne vous trompez pas,
Par pitié, ne vous trompez pas, alors que pour la première fois, il est permis d'espérer faire un vrai choix entre deux visions du projet européen, entre deux lignes politiques, une Europe de la civilisation ou une Europe de la soumission, une Europe des paysans ou une Europe des migrants, une Europe de la liberté ou une Europe de la bureaucratie, une Europe de l'indépendance nucléaire ou une Europe des fanatiques écolos. Résumons tout simplement, une Europe de droite ou une Europe de gauche. Nous, Européens, nous sommes une famille de peuples. Nous sommes réunis par une géographie, par la chrétienté, par une certaine vision de l'homme et du bien, par des relations culturelles, économiques, scientifiques intenses depuis des siècles, qui font que nous reconnaissons spontanément une part de nous-mêmes chez nos voisins du continent. Nous sommes une civilisation. La civilisation, tout est là dans cet antidote à la barbarie et à la sauvagerie. Dans ce mot qui est poli par les siècles et qui est un écrin de la culture et de l'histoire. Alors, oui, bien sûr, évidemment, nos nations sont un héritage formidable. Elles sont le cadre politique naturel et incontournable des peuples. Mais à l'heure du grand réveil des civilisations chinoises, turques, indiennes, notre civilisation européenne et chrétienne a aussi un rôle à jouer dans le champ politique. Mais pour ça, et pour y parvenir, et pour que cette action politique ait du sens et porte ses fruits, alors il faut redonner au projet européen une boussole qu'elle a perdue ou qu'elle n'a jamais voulu avoir. Notre boussole, c'est la civilisation européenne. Entreprendront au niveau européen doit revenir à une idée simple finalement, renforcer, protéger, transmettre la civilisation européenne. L'on dit qu'une personne ne peut savoir ce qu'elle veut sans savoir qui elle est. Nous, nous savons qui nous sommes et nous savons ce que nous voulons. Nous savons aussi ce que nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus de cette Europe de Bruxelles gouvernée depuis toujours par le centre et la gauche. Nous ne voulons plus de ces élus et dirigeants européens soumis, lâches, vendus, parfois les trois, un coup aux lobbies écolo, un coup aux Allemands, un coup aux pétromonarchies, un coup aux activistes LGBT, un coup aux frères musulmans. Non, nous voulons une Union européenne enfin, enfin au service des peuples et des nations. Une civilisation qui ne s'incarne pas seulement dans un héritage commun, mais aussi dans une projection, dans un destin futur. L'Europe de la civilisation, finalement, plutôt que l'Europe de la Commission. Et cela, mes amis, nous allons l'avoir. Nous allons l'obtenir en prenant le pouvoir en Europe, en changeant de cap, en votant tous ensemble, tous les Européens, les Français, pour une Union européenne à droite qui applique une politique de droite. Une Europe de droite, c'est très simple. C'est une Europe qui refuse le fanatisme écologique et la décroissance pour défendre une politique qui réconcilie l'exigence environnementale et la prospérité économique. Une Europe de droite, c'est une Europe dont la politique agricole vise l'autonomie alimentaire, qui protège ses agriculteurs des importations déloyales. Qui assure la traçabilité de nos produits qui encourage les circuits courts par la priorité locale. Une Europe de droite, c'est une Europe qui coordonne les moyens européens pour protéger physiquement nos frontières, pour organiser un blocus naval face aux bateaux de migrants. Pour détruire les filières de passeurs, pour coopérer avec les pays de départ pour casser l'afflux des clandestins. Une Europe de droite, c'est une Europe qui protège ses marchés du dumping social et fiscal, qui garantit une concurrence juste, qui autorise les aides d'État pour les secteurs stratégiques, qui assure un accès prioritaire des marchés publics aux Européens. Une Europe de droite, c'est une Europe qui refuse de légaliser les mères porteuses, de financer les associations woke et qui soutient les politiques natalistes des États membres pour sauver la démographie européenne.
une Europe de droite. C'est une Europe qui veut tendre vers l'autonomie énergétique, qui soutient et développe le nucléaire dans les États membres, qui organise la sécurisation de nos approvisionnements énergétiques, qui protège nos industries, qui croit au génie humain et européen par la recherche. Une Europe de droite, c'est une Europe qui a des ambitions. Celle, par exemple, de se donner les moyens de ravir le leadership de la conquête spatiale aux Américains. C'est une Europe qui dit qui elle est, en inscrivant les racines chrétiennes dans ses traités et en valorisant ses traditions. N'est-ce pas là le premier acte d'existence, de souveraineté même, simplement affirmer ce que l'on est? C'est l'Europe qui protège ce qui nous est cher, qui protège notre patrimoine culturel et naturel. C'est Saint-Jacques de Compostelle, c'est la cité des pierres et des saints d'Avila, c'est la renaissance de la cathédrale de Cordoue, c'est le Monte Sant'Angelo, c'est la basilique Saint-Antoine de Padoue, c'est Cologne, la ville aux 100 églises, c'est la colline des Croix en Lituanie, c'est Notre-Dame de Chartres, c'est l'Acropole, c'est le Mont Athos, c'est le Mont Olympe. Lorsque le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres, disait Tocqueville. Nos penseurs, Platon, Aristote, Thomas d'Aquin, Descartes et Kant, nos savants, Pythagore, Galilée, Einstein, nos poètes, nos musiciens, tous nos grands auteurs, nos explorateurs qui ont ouvert les océans, nos inventeurs qui ont changé la face du monde, nos scientifiques et médecins qui ont sauvé tant de vies et qui en sauvent encore tant, et tant d'œuvres encore, celle de Michel-Ange ou de Léonard de Vinci. Tout cela, tout ce trésor, le monde entier nous en est reconnaissant, ou devrait nous en être reconnaissant, parce que chacun, à sa manière, s'en nourrit et en profite. Dites-moi, mais dites-moi donc, quelle autre civilisation a apporté au monde ce que nous avons apporté? Si nous le voulions, si nous nous en donnions les moyens, le continent européen, avec la créativité, la richesse, le génie de ces nations, pourrait redevenir la première puissance mondiale. C'est l'ambition, mes amis, qui nous anime dans cette campagne, et c'est l'ambition qui devra nous animer demain au Parlement européen. C'est l'objectif que nous allons viser avec vous. Car n'oubliez pas, les peuples qui ont produit toutes ces merveilles que je vous ai citées plus haut, ce sont les nôtres. Nous sommes encore vivants. Nous sommes là. Croyez-vous vraiment que nous ne sommes pas capables de faire aussi bien, sinon mieux, que les Chinois, les Turcs, les Indiens ou les Américains? Évidemment que si! Et le monde a encore besoin de l'Europe, de sa voix, de sa raison, de sa conscience, de sa sagesse aussi, sur la liberté, sur la dignité humaine, vis-à-vis des grands défis et des grandes menaces qui pèsent sur l'humanité, le transhumanisme, l'intelligence artificielle, la société de surveillance, les grands mouvements migratoires. Mais le monde a besoin d'une certaine Europe, l'Europe qui est fidèle à elle-même. Alors, cette campagne de France pour les élections européennes, nous allons la mener ensemble, aux quatre coins de notre pays, mais pour un même combat dans toute l'Europe. Pour que Rome reste Rome, pour que Vienne reste Vienne, Budapest reste Budapest, et pour que la France reste la France. Un poème, ou plutôt d'une chanson, le poème des poèmes européens, la chanson de Roland. Eh bien, dans cette chanson, Charlemagne, le père de l'Europe, affronte en combat singulier Baligan, l'émir de Babylone,
le chef de l'armée des Sarrasins. Et dans ce combat singulier, eh bien, Charlemagne est blessé. Il est à deux doigts d'être tué. Il perd courage, il perd son énergie. Et c'est alors que soudain apparaît l'archange Gabriel. Alors, non pas pour mener le combat à sa place, non pas pour prendre son épée et tuer finalement l'émir à la place de Charlemagne, mais simplement pour lui redonner courage. « Ô grand roi, que fais-tu ? » lui lance-t-il. « Et nous, Français, que faisons-nous ? Allez, peuple de France, reprenons courage ! Allez, Français, debout ! Debout ! » À la fin de l'histoire, Charlemagne gagne le combat. Je vous le dis avec force, avec gravité, je vous le dis avec enthousiasme, l'histoire n'est pas finie. Et à la fin, nous aussi, nous gagnerons. Êtes-vous prêts ? Rien n'est beau. Rien n'est beau comme un peuple qui se relève. Le 9 juin, votons pour une France fière en Europe. Écrivons ensemble les prochaines pages de notre histoire. Non, l'histoire européenne n'est pas finie. Vive notre civilisation millénaire. Vive la France. Vive la France belle. Vive la France fière. Vive la France debout.